À tous, c'est Achelna, dans cette fois-ci, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment battre les Argus. Donc les Argus vont être ce week-end disponibles dans les raids 7, donc du 27 au 29 avril. Donc il sera de Terra Crystal, glace, et je vais vous proposer un Pokémon que vous avez déjà monté, si vous avez déjà suivi ma chaîne, Kourou-singe. Et oui, encore lui. Je vous promets, c'est stupide. C'est juste du spam. C'est déconcertant, vous l'aurez facilement. Alors du coup, Kourou-singe, un petit rappel. Donc déjà l'objet, le grelococque. Donc je vous mettrai en description où trouver le grelococque. Ensuite au niveau du set, grincement, ça ne marchera pas vu que les argus, ça brume et le pose tour 1. Donc on va spammer point colère. Regardez pas le reste. Point colère, ça suffit. Donc j'ai pas changé ma Terra Crystal. Et ensuite, bon, toujours de nature rigide. Au niveau des IV, on max tout sauf l'attaque spéciale. Et au niveau des IV, des EV, excusez-moi, PV et attaque. Avec le talent acharné. Très important cette fois-ci d'avoir le talent acharné. Parce que vous allez vite vous rendre compte que c'est très utile en début de combat. À la rigueur, vous pouvez, si vous voulez, en début de combat, glisser une petite gonflette. Mais on va spammer. On va faire ça le plus rapidement possible. Et c'est très, très, très sale. Allez, on y va. Donc, c'est vrai que j'aurais pu vous proposer pomme de fer. Mais là, c'est tellement déconcertant et facile. Pourquoi s'embêter alors qu'on a une solution toute trouvée? Franchement, c'est... Ce Pokémon, si vous ne l'avez pas, franchement, montez-le, parce qu'il va vous aider pour les raids 6. Ça détruit beaucoup de choses. Vraiment un Pokémon essentiel à avoir. Alors pourquoi j'ai mis le Grelococque plutôt que le Métronome? Tout simplement parce que le Grelococque, ça va nous permettre de survivre un peu plus. C'est, on va pas... Et on va éviter de se faire tuer à chaque fois. Donc du coup, les Argus, il nous fait tomber la neige. Il va faire aussi... il a fait sa brume. Bizarre, ça va faire mal, il attaque sur le spécial. Donc, bon, c'est pas... On peut le tanker, c'est pas grave. Là, on va essayer d'avoir le plus vite possible la Terra Crystal. Là, c'est normal, franchement, si... Si vous mourrez avec le Kourou-singe, ne vous inquiétez pas, on revient, on relance. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas lancer la Terra Crystal alors qu'il vous reste quoi, quelques PV. Allez, la paralysie, ça va être bon. Alors, c'est vrai qu'il est de type glace, je pourrais taper avec le Vampipoing. Je suis d'accord, mais ça fait moins de dégâts, bizarrement. C'est pas top. Alors au niveau des resets de stats, vous allez avoir les Argus qui va faire son bouclier et il reset les stats derrière. Ah, je suis gelée. Tiens. J'avais pas arrivé souvent. L'arme à l'œil, franchement, c'est Kourou-singe. C'est pour ça qu'il est très bon. Et qu'il nous faut acharner parce que ça va nous booster au niveau de l'attaque. Donc là, il va reset les stats, il va mettre son bouclier. On est quoi, à peu près tour 5? Allez, je vais faire un petit soin d'urgence quand même, qu'on soit pas gelé. Alors c'est dommage pour le full vie. Bah t'es sympa. Voilà. Alors il y a des tours où il va poser d'abord son bouclier et après il va reset le stat. Les stats dans le tour suivant. Ou l'inverse. C'est pas grave. Allez, on y va. On va Terra Crystal et on va y aller. Tout droit. On réfléchit pas. Certes, ça fait un petit peu long. Mais ça marche à tous les coups. On y va.
sans regagner des PV grâce au Grelocoque. Petit à petit, on va l'avoir. Puis si vous vous sentez pas, vous pouvez tout à fait faire un petit soin d'urgence. Ou un Vampipoil. Le Vampipoil, en fait, ça va vous permettre d'aspirer les PV et avec le Grelocoque d'en récupérer encore un petit peu. Mais bon, ça tape moins fort quand même que le point de colère. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça enlève que dalle. Ça permet de tanker un peu mieux, de reprendre un peu plus de PV. Mais c'est tout, la grêle là s'est arrêtée. Donc on est bien. Après, s'il fait. J'ai l'air moyen, c'est bon. Ça augmente encore nos stats, c'est pas dégueu. Allez hop, vous voyez la barre qu'il prend. Toujours un peu plus. On remonte dans le vert. En plus, on évite les attaques, il peut aussi rater déjà. Donc ça c'est cool. Là vraiment vous vous dites ouais mais c'est long et tout. Oui c'est long mais c'est une manière sûre de passer le Lézardus quoi. Le grincement ça sert à rien de le faire. Ça aurait été bien mais il pose la brume. Ensuite il fait sa chute de neige. Donc au final, autant attaquer. Autant avoir la Terra Crystal le plus rapidement possible. Si vous mourrez la première fois, c'est pas grave. Vous revenez, vous faites la Terra Crystal et vous mourrez. Alors au niveau des partenaires, là les alliés, honnêtement, qui est une intimidation, qui est un Pokémon spécifique, on s'en fout complètement. Bien sûr, si vous avez un Arbolivia ou un Pokémon qui fait du soutien, c'est toujours appréciable. Mais là, c'est tout droit. Petit à petit, vous voyez le temps, c'est pas grave. Vous dites, ouais, ça c'est un peu long quand même, mais non. Ne vous inquiétez pas, ça passe. Au moins, c'est vachement économique. Hein. Un Pokémon monté la dernière fois, il est réutilisable. Allez, la paralysie, c'est bien. Vas-y, voilà. Ça, c'est clairement ce qu'on aime. Le talent acharné qui va se déclencher. Allez, vas-y, je t'en prie. Refais-moi ça si tu veux. Ça ira plus vite. Allez, on va lui mettre une claque. Impeccable. En plus, le douce lourdeau a fait son travail. On est vraiment très 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 bien. Allez, on finit avec un Vapipoil, mais... Je veux dire... On l'a fait. Et encore, j'ai pas sur les PP, ça peut vous paraître juste. Mais j'ai pas maxé cette attaque. Et j'ai pas mis des PP max. J'avoue. Donc vous voyez, ça passe. Tranquille. Il restait du temps, je me suis pas mis la pression. Vous pouvez très bien, si vous le sentez pas, que vous avez besoin de vie et que vous voulez pas claquer un soin d'urgence, tout simplement, vous faites un petit Vampipoil. Et puis c'est tout. Je peux pas vous proposer une méthode plus simple à mettre en place. C'est heureusement que le Lézardus est quand même assez au niveau de la défense une chips. Hein. Heureusement. Même si on n'a pas l'impression de taper fort, c'est pas taper fort qui compte. C'est le résultat de l'avoir. Allez, il est attrapé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.